Super, vous avez réussi à me transporter dans l'espace et dans le temps. Je me voyais moi aussi hein, dans ces vaisseaux en train de partir hein, à la conquête de l'espace. Vraiment super, super. Vraiment un beau récit. C'est un immense réservoir de mondes possibles, de mondes souhaités et notamment de mondes craints aussi parce que le changement, on a toujours. On craint le changement aussi, hein, vous savez, Bien c'est sûr. vrai. Donc, Bien sûr. c'est un tout. Ça donne toutes Ah les possibilités. oui. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à présent donc de ces domaines techniques. Il ne faut pas oublier pour autant que tout au long de ce roman se dessine en même temps une histoire d'amour. Oui. Hein, il y a une partie donc qui n'est pas du tout technique Ce n'est pas du tout et non. qui correspond. Voilà, qui correspond en fait à la rencontre de deux peuples assez différents, même Tout à s'ils ont les fait. mêmes souches, et c'est aussi un espoir pour l'avenir. C'est ça. Donc, vous avez mis la rencontre de l'humanoïde et de l'androïde. Alors, oui, c'est pas tout à fait ça. Disons que dans les générations futures, très loin, on aura effectivement un mélange entre l'humanoïde et l'androïde qui aboutira en fait à ce qu'on appelle souvent l'homme augmenté. Mais cette rencontre, elle intervient entre ce type d'humanoïde androïde et les terriens. Elle est là, la rencontre. Hein, elle est là, cette rencontre nouvelle, justement, avec une évolution ensuite qui va aller très vite et qui sera là justement peut-être la solution pour tout le monde. D'accord. Ben c'est super parce que en fait, je retiens que ces mélanges vont faire en sorte que l'être humain atteint un niveau supérieur. Vous voyez? Exactement. C'est Exactement. du coup pour l'avenir, oui. D'où l'explication, encore une fois, de la route des dieux.